Bonsoir, Jean c'est Willy, on se trouve pour l'épisode 5 de notre let's play sur Alice Madness Returns. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, nous avons trouvé les 4 membres du chapelier et nous les avons ramenés à lui. Il a pu se reformer et il nous a aidés à traverser cet endroit. Rappelez-vous, nous, avant, on était là-bas, si je dis pas de bêtises. Et il s'est cassé, hein, et concrètement, ils se sont battus les couilles de nous. Il est parti tout là-bas. Du coup, à voir ce qu'il va faire. Moi, je pense le suivre. Je vais juste aller chercher ce petit souvenir avant. Hop. Non. Oh là là. What? Attendez. Voilà. Ouf! Papa, la bibliothèque sent horriblement mauvais depuis que tu t'es mis à la photo. Et ces produits, je suis sûre, sont mauvais pour la santé. Et on a gagné un panier. Ok, 555 dents. On va bientôt pouvoir s'améliorer notre glaive. Je pense à la fin de cet épisode, il y a moyen que on s'améliore le glaive et... Non, me dites pas qu'on va aller dans un endroit boueux comme ça. Oh non, si c'est le cas, vous sentez le lag arriver. Par contre, c'est agressif là, les petits. Calmez-vous. Sinon, oui, je pense largement pouvoir atteindre le nombre de dents qu'il me faut pour... ça. Ok, le chapelier est là, il m'attend, il est tout gentil. Vas-y! Ah. La chronobombe peut être utile lors des combats. Ça, je le savais. Elle attire les ennemis et les blesse lors d'explosion. Oui. Eh bah, prenez ça! Et ça! Et... Qu'est-ce que... Vous avez vu, elle a fait une sorte de dab, mon perso. Ah, ça va, là, on lag pas trop. Allez, vas-y, viens, 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 viens. C'est un peu raté. Oh bah prends pas trop ton temps, chapelier. Ok, ici c'est un peu vénère. Allez, amène-toi. Ok. Ah, ça touche. Aïe, 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 aïe. Lui aussi touche. Quasi mort. Voilà. Il est quand même bien agile, hein, ce chapelier. Vous avez vu les bons qu'il fait? Oh, une dent. Je vais la récupérer. Parce que bon, on est pas radin. Enfin, c'est pas qu'on est radin, mais il me faudrait un max de dents pour m'améliorer. Sinon, c'est cool là, on a eu le combat sans lag. C'était assez ouf. J'espère que ça continuera sur cette lancée.
Celui qui dit tout livre commencé mérite d'être lu en entier ne s'est sans doute jamais lancé dans la lecture du dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. D'accord. Sinon, ouais, c'est cool, on n'a pas eu de lag, hein, comme j'ai dit. J'espère que ça continuera sur cette lancée. Parce que là, on aura un jeu qui lag de moins en moins. Ça serait formidable qu'il arrête de laguer. On dirait un tremblement de terre. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai l'air de le savoir ? Ton jugement est sérieusement faussé. D'accord, faut que je passe en mode petite quelque part. Ici, hop. Alors déjà, je vais rapetisser pour me heal. Pendant que lui, il marmonne ses petits trucs. Il est chaud, la marmonnée, hein. Hop. Là. Oui. Après, je casse ça. Voilà, là, on augmente vite en dents. Oh, d'accord, celle-là voulait pas. Ok, cette dent fait son délire. Hop. Non. Comment je passe alors? Parce que oui, c'est ici. Ah. Je vois, je vois. Et voilà le travail. Je rapte ici, je rentre, je prends le chemin. Il y a des petits dessins marquant qu'on va défoncer le Loir et le Lièvre de Mars. Ah oui, c'était bien flippant hein, dans l'épisode dernier, vous avez vu, ils étaient à moitié démembrés avec leur une sorte de prothèse, mais ils étaient bien dégueulasses. Je peux pas aller là ? Bon bah je vais aller en face, histoire d'analyser un peu le truc. Et je descends. Là il y a un truc. Hop. Oui oui, t'inquiète Chapelier. Il y a un chemin par là. Non, ça marche pas. Je tire le levier. Merci. Je regarde juste à côté s'il n'y a pas un petit truc. Non, c'est bon. Et on a l'air d'être arrivé. Ces deux-là tremblent-ils? Que complotent-ils? Tu es aussi folle que le fou chapelier, Alice! C'est trop tard! Il est parti! L'insolence, l'arrogance, les mauvaises manières à table, ils détruisent le pays des merveilles! Détracteurs, dérangeants, diaboliques, délicieux, Ont-ils vraiment créé ce train pour détruire le pays des merveilles? Est-ce bien important? Ils méritent la mort! Ah! Qu'on me laisse maintenant! Il faut que je... Assez parlé! Place à l'action! Place à l'action, oui. N'espérez plus! Oubliez le passé! Le mal est fait! Que la folie commence! Place à la démence! D'accord. Premier boss du jeu, j'imagine. Et ça a pas l'air de déconner. Quoi ? Bon bah...
D'accord. Mon précieux homme, mes convives, je voulais juste reprendre une tasse de thé. Chapelier, la promesse, jusqu'où va ce train? Et dans quel but? Dites-le-moi, maintenant. Il est trop tard pour faire la conversation, jeune fille. Prenons le thé et parle avec la tortue. Elle connaît bien les mots. Allez, chérie, restons bons amis. J'ai un excellent argent. Buvez donc. Mes souvenirs sont brisés. J'essaie de les reconstituer. Mais ce train doit vouloir m'en empêcher. Vous devez m'aider. S'il vous plaît. Cherche celui qui t'aidera si tu t'aides toi-même. Un certain monsieur. N'importe quoi. Il peut bien mourir. Je vais me noyer dans le thé, dans l'ignorance. Du coup, il y a un mec chelou là. En voilà une étrange nymphe. Par tous les saints, comment elle est arrivée là, celle-là? Oula! Fais quoi? Mettons-la à la sirène mutilée pour la nuit. Dans l'eau. Va faire le beau pendant une bagarre. Que faites-vous donc? Ce que veut la nature. Je ne m'entends pas avec elle. Dégagez. Wow. Comment t'es atterri ici? On était sur un toit d'un bâtiment. Le chat blanc me rappelle Madina. Nourrice l'a vue. Bah, j'imagine qu'il faut que je suive le chat. Sinon, oui, on est retombé dans le monde normal. Qui est beaucoup plus maussade que le pays des merveilles. Allez, ça ira. On va s'en jeter une à la sirène. J'imagine que le chat est parti par là. Putain, je croyais que c'était un enfant. Un jouet doit être complètement usé pour se retrouver abandonné aux mains des enfants qui jouent avec des cailloux. D'accord. Et le chat, il est où? La sirène mutilée. D'accord. Par contre, pour le moment, je suis pas trop fan de ces phases de gameplay. Je préfère largement être dans le pays des merveilles. Ce qui est logique, bien entendu. Les poulettes comme toi aiment les gros durs, je parie. C'est aimable à vous, mais j'ai déjà rendez-vous avec un autre homme. Et ça, elle est raide celle-là, hein? Le docteur dit que j'ai une maladie vénérienne. Et comment il le sait, ton docteur? Bon, je pense qu'elle doit mytho pour... Où est mon dû, misérable pickpocket? Mets-moi vite fait ces tiroflans sur le trottoir, sinon je te jure, c'est toi qui les remplaceras. C'est ça, maudit satyre. Tu ne tiendras pas jusque-là. J'obtiendrai ce que tes catins me doivent, sainte Nitouche. Tiens-le toi pour dire. Et dis-toi que je ne mouille pas ma culotte sous les menaces. Allez, Slidl, je vais m'occuper de toi. Allez, amène ta tête d'ahurie par ici. Je passe pas derrière, j'imagine. Tim disait qu'il mourait de maladie sociale. Et c'était à travers un nom, Jack Splatter. Ok, on va aller chez les prostituées. Bonjour, bonjour, ne faites pas attention à moi. C'est qui le plus gros? Putain, il se fait massacrer. Alors, 3 billets. D'accord, pour 4 contre 1. Si tu me payes pas. Je te jure que je fais un tas de cendres de ce qui te sert de maison. Allez-vous-en! Elle n'a rien fait! Ouais, c'est bien mon problème! Oh là! Est-ce qu'on va retomber dans le monde des merveilles? En fait, ce serait peut-être des courtes phases de gameplay justement, si on se balade.
Ça me semble être ça. C'est ça. Toundra folle. Ah! C'est bon. On a radicalement changé d'ambiance. Et oh. Voilà, déjà premier secret trouvé. Hop, une bouteille. Ouais, je me disais ça doit bien me donner des dents. Merci. Alors, il faut aller voir quoi? Il faut aller voir la simili-tortue. Ça ne me dit rien. Oh là, oh là! J'aurais peut-être dû aller en haut avant. Oh là, il y a un poisson chelou. Ah, il s'est enfui, je crois. Ça a l'air un peu quand même un peu flippant ici. Ah, il est là. Ah. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma robe de base. Je viens de le remarquer. Aïe. Ok, il est pas très content lui. C'est bon, je l'ai eu. What the fuck? Très chelou ça, mais bon. Ça, je suis sûr, ça peut se casser. Une bouteille. Ici il n'y a rien. Oh, la lune est stylée par contre. Oui, il y a le Yeti qui souffle. Faut pas que j'aille dans. Faut pas que je saute quand il est là parce que j'imagine que ça va m'emporter dans le vide. D'ailleurs, j'entends un groin. Qui est juste ici d'ailleurs. Voilà. Et j'ai encore un panier, bah donc elle est généreuse la duchesse hein. Parce que là je suis à deux doigts de pouvoir améliorer mon glaive vorpalin. Attention, il souffle. Et là. Hop, hop. Ah! Je me suis fait avoir. Peut-être qu'il faut que je lui pète la gueule. Non. Non. Non, non, faut juste souffler. Enfin, faut juste sauter, au moins il a pas beaucoup de vent. Oula, petit lag. 675, on y est presque. Oula.
Oh! Est-ce que ça serait une nouvelle arme? Ou un nouveau gadget pour me protéger ou autre? Le cheval bâton. Vous avez obtenu le cheval bâton. Détruisez fougueusement tous les obstacles, ruez-vous sur vos adversaires. Succès garanti. Ah, c'était pour ça qu'il y avait une image de cheval tout à l'heure. En gros, ça a remplacé ma bombe. Et comment ça marche du coup? Qui est le poisson qui est vénère? Snark des glaces. Ah! Ok, triangle. Par contre, c'est lent. Ok. C'est assez puissant quand même, hein. Regardez comment c'est vénère. Aïe! Aïe! Ah putain! Allez, mode furie. Oula. Ok, un mode furie pour deux mobs. N'oubliez pas d'être dans le menu des armes. Oui, je sais. Là, je peux améliorer le cheval. Mais... je sais pas. Je vais améliorer mon glaive avant. Pour moi, mon glaive, c'est ma priorité. Et après, on améliorera le cheval bâton. Voilà, hop. Le glaive Vorpalin qui passe au niveau 3. Et après on va garder 500 pour notre petite notre petit cheval bâton. En plus il y a un groin ici. Voilà le petit souvenir en plus. Quel drame! Le navire a coulé corps et âme. Il n'était pas fait pour naviguer sur les mers de glace. Nos ambitieux gouvernements mettent des vies humaines en danger en rivalisant d'expéditions polaires. Oh, je peux! Je peux faire un combo. Regardez. D'accord, je peux faire un combo avec le cheval bâton. Bonsoir. Allez. Voilà, coucher. On peut faire des bons combos maintenant. C'est bon, il faut juste s'habituer aux mobs. Et après on les gère. Voilà, je récupère un max dedans. Et il nous reste combien de temps? Ok, 6 minutes, on va bientôt s'arrêter. Je pense que dès que je trouve un point de sauvegarde, enfin un point pour m'arrêter,
Je m'arrête, tout simplement. Ah! Hop là. Et du coup, je dois aller où maintenant? Ah, ici. Il y a un autre groin, je l'entends. Ah merde. J'aurais peut-être dû attendre un peu, mais bon. Glissade. C'est assez fun, par contre je sais pas où je vais. Mais bon, ça c'est fun. Un petit toboggan là. Ah ok, je peux accélérer. Et bah hop. Et on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fera un épisode de 25 minutes environ. C'est parfait. Parce que j'essaie de faire des épisodes courts. Parce que là j'ai peur si je continue. Il y a de grandes chances que je vais faire un épisode de 40 minutes. Donc je préfère me stopper ici. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me suivre sur Twitter où je donne des infos sur mes let's play, où je parle un peu de jeux vidéo aussi. Et sur ce, on se trouve très vite pour la suite. Allez, à la prochaine. Fight the fire!